Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur mon sanctuaire et bonne année 2024. Oh yeah! Ça fait plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Ça fait quand même assez longtemps que je n'ai pas refait de vidéo puisque j'étais en vacances. Alors pour moi, ça se passe super bien. L'année 2023, elle a fini en beauté. Je suis très très heureux là en ce moment dans ma vie et j'espère que tout va bien se passer, que 2024 sera encore meilleur et je vous le souhaite également à vous aussi. Alors du coup, pendant mes vacances, je voulais vous dire que j'ai pas mal réfléchi sur ma chaîne, sur comment j'aimerais la faire évoluer pour cette année 2024. Alors du coup, il va y avoir pas mal de changements. Voilà, j'ai déjà retravaillé la description de la chaîne. Vous pouvez aller la trouver. J'ai rajouté quelques liens. J'ai créé du coup une deuxième chaîne secondaire. Voilà, ça c'est très très important pour moi d'avoir fait ça. Et du coup, je vous le dis, c'est une chaîne qui sera dédiée entièrement au gameplay. Voilà, tous les streamings de let's play, de gameplay, de jeux vidéo de ma collection, ou que ce soit en physique ou en démat, ça sera fait sur la chaîne secondaire qui est Zenji Sanctuary Gaming. Voilà, c'est simple à retenir. Et du coup, je vais faire beaucoup moins de live sur cette chaîne-là, mais il y aura quand même quelques lives qui resteront. Ce sera les grosses émissions de la chaîne. Donc, comme à chaque mois, il y aura les libres antennes sur les rentrées du mois dans la collection, que ce soit les miennes ou celles des invités qui veulent venir pendant la libre antenne et partager les leurs. Il n'y a pas de problème, il y aura toujours ça. D'ailleurs, il y en a une qui va se faire ce soir à 21h, donc j'espère que vous serez présents pour cette première libre antenne de l'année 2024 sur la chaîne. Et on continue également les libres antennes sur les jeux joués et terminés. Donc ça sera aussi une grosse émission que je tiens à cœur de garder sur cette chaîne. Donc chaque mois, que ce soit en début ou en fin de mois, on fera, je vous préviendrai plusieurs jours à l'avance sur les libres antennes des jeux joués et terminés. Du coup, il y aura les miens et aussi ceux des invités qui vont participer. Et du coup, la prochaine, ça se fera demain, du coup, à 21h. Donc, je l'avais déjà programmé sur la chaîne avant de partir en vacances. Voilà, pour ceux qui avaient pu voir sur la chaîne. Et aussi, j'aimerais faire une fois par mois, donc à peu près en milieu de mois, voilà, pour pouvoir décaler avec les deux grosses émissions de début ou fin de mois. C'est une émission sur des sujets variés, voilà, que j'aurais choisi au préalable, mais si vous avez envie de me suggérer quelques idées pour des prochains sujets, pourquoi pas, vous pouvez me les dire en commentaire ou en message. Et là, la prochaine émission que je voudrais faire, ça sera sur les jeux merdiques qu'on a dans notre collection. Et du coup, j'inviterai plusieurs personnes sur une liste déjà établie, mais c'est aussi en libre antenne. C'est-à-dire que il y aura des invités fixes, mais si jamais il y a des personnes qui veulent participer et montrer un ou deux jeux, voilà, et nous dire leur expérience qu'ils ont avec ces jeux-là, ils seront les bienvenus. Et j'ai essayé d'inviter des profils de joueurs variés pour cette émission. Voilà, et ça sera le 10 janvier, donc mercredi 10 janvier à 21h. Voilà, et j'essaye de faire en sorte que l'émission dure environ 2 heures ou 2 heures et demie grand max. Voilà. Donc on montrera des jeux merdiques de notre collection, je vous partagerai un petit peu de gameplay pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, et puis on partagera un petit peu nos différentes expériences sur ces jeux-là. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Et pour continuer encore avec les prochaines annonces, les changements sur la chaîne, j'ai décidé d'arrêter de partager les shorts TikTok que je fais sur ma chaîne principale. Je vais
potentiellement supprimer pas mal que j'ai fait avant, sauf si ils ont fait beaucoup de vues sur ma chaîne, donc à la rigueur je pourrais peut-être les laisser ceux-là, mais ceux qui n'ont été quasiment pas regardés sur la chaîne, et bah du coup ceux que ça intéresse vraiment, je vous invite à aller les voir sur TikTok. Voilà, peut-être que je continuerai à les diffuser sur Instagram après pour qu'il y ait un peu plus de contenu dessus, ou sinon sur Instagram je vais peut-être arrêter de les faire aussi. Je les ferai que sur TikTok, je pense, et sur Instagram je pense que je ferai plutôt des photos de ma collection de jeux ou collecteurs en particulier que j'apprécie. Voilà. Voilà, je pense pour les futurs changements que je pense que ça fera du bien à la chaîne. Je sais pas vraiment ce qu'est fait l'avenir, si ça va plutôt la détruire ou l'améliorer, mais en tout cas moi j'ai envie de pouvoir être fier de ce que je produis sur cette chaîne là, et je trouve que trop mélangé avec les gameplays, les shorts TikTok, j'ai l'impression de me perdre un petit peu sur cette chaîne, donc je vais revenir à l'essentiel. Et du coup je vous propose des nouveaux contenus en vidéo montée, où je pense que je présenterai des jeux, je ferai encore des unboxings de collector, voilà, qui me tiennent à cœur, et je vous ferai aussi mes tops de mes jeux que j'ai aimés pendant le mois, ou des jeux que j'ai joués il y a longtemps et que j'ai apprécié, que je pense encore à ces jeux-là. Voilà, je vous ferai plein de petites vidéos comme ça. Peut-être aussi que je ferai des vidéos encore pour parler des studios de développement, parce que ça me fait beaucoup plaisir de m'attarder sur un studio en particulier, de vous parler de tous les jeux qu'ils ont réalisés. Et aussi, j'avais pour idée de faire deux vidéos sur le bilan 2023. J'espère que ça vous plaira. Donc, je vais essayer de travailler là-dessus pour vous sortir la première vidéo demain dans l'après-midi, et l'autre peut-être après-demain, en espérant que j'ai le temps. Ça va pas mal s'enchaîner comme ça. Je veux faire ça en deux parties, parce que du coup il y aura une vidéo sur le bilan 2023 au niveau des jeux que j'ai joué pendant l'année, et il y aura une autre partie sur ma collection en général, voilà, où je fais le bilan de où est-ce que j'en suis dans ma collection. Et sur chacune de ces vidéos, je vous parlerai de mes objectifs du coup pour l'année 2024. J'ai plein d'idées en tête, voilà, et j'espère que ça vous fera plaisir. Et j'ai hâte de vous retrouver dans les espaces commentaires ou dans les chats en direct quand je ferai les émissions en live. Voilà, ça va être cool. Plein de belles choses pour l'année 2024, je l'espère. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et aussi j'espère que vous allez être nombreux à aller vous abonner sur ma chaîne secondaire Zenji Sanctuary Gaming pour les prochains live gameplay, let's play que je ferai dessus. Allez, surtout, amusez-vous bien sur vos jeux. À plus tard.